Monsieur Davout, je vous souhaite la bienvenue au lycée François Villon. Asseyez-vous, je vous en prie. Je termine ce petit mot. Une seconde, 4 heures de colle. Voilà. Je vous sens un peu tendu, monsieur Davout. J'ai lu votre CV, vous avez le profil idéal, la discipline coule dans vos veines. Affirmatif, monsieur. On peut dire j'en ai maté du puceau boutonneux. Dites-moi-en un petit peu plus sur vous, s'il vous plaît. Je suis matricule 427789. Fils de l'adjudant Davout. Fils de l'adjudante Davout. Petit-fils de l'adjudant Davout. Petit-fils de l'adjudante colonel Davout. D'accord. Arrière-petit-fils de monsieur Davout, je ne me rappelle plus son prénom. Des élèves chahutent dans la classe pendant un intercours. Quelle est votre réaction ? La décimation. La quoi ? La décimation. C'est une pratique de la Rome antique. Lorsqu'une légion subissait une défaite, le centurion choisissait 1 homme sur 10. Il devait prendre une pierre dans un sac et celui qui tirait une pierre noire se faisait lapider sur place par ses petits camarades. Lui tartiner la gueule de miel et lâcher les abeilles. Le type va gueuler pendant toute la nuit. En revanche, un petit coup de martinet, ça n'a jamais fait tort à personne et ça remet les idées en place. Au suivant. Non, ce qui est bien, c'est la torture mentale. Il n'y a pas de traces. Par exemple, Bobby, quelle heure est-il ? Bobby, quelle heure est-il ? Bobby, quelle heure est-il ? Midi. Bobby, quelle heure est-il ? Bobby, quelle heure est-il ? Bobby, quelle heure est-il ? Bobby ! Bobby ! Et à un moment, il rentre à la maison, il comprend plus. Écoutez, faire ça. Au suivant. Sinon, il y a bien autre chose, mais j'ai bien peur que ça rentre encore dans la catégorie châtiment corporel. Allez-y toujours ? Les testicules, dans un tiroir. Et pour les filles ? La fessée. Et je les entends déjà dire merci. Ça raffermit et ça galbe la croupe. Finissons la discussion dans la salle des professeurs. Il y a du bon café chaud et à cette heure-ci, ils sont tous en cours. J'espère que vous avez les sucrètes. Je sais, c'est idiot, mais je surveille ma ligne. Je comprends, des fesses comme ça, il faut les entretenir.